Acknowledge me. Salut à tous, c'est Jacques. Voilà, première vidéo. J'ouvre cette chaîne YouTube pour principalement parler de notre voyage à WrestleMania avec les amis. Et je voulais faire une première vidéo, donc celle-ci que vous voyez, concernant les achats qu'on avait fait en fait lors de cette semaine de Los Angeles. Et on va commencer tout de suite. Hein, on va faire court. Alors le premier achat, le gobelet du show. Par contre, il n'est pas holographique, hein. Il me semble que les années d'avant, il y a quelques temps déjà, mais il me semblait que c'était des effets 3D sur les gobelets. Là, c'est un simpliste. Mais bon, pour le souvenir, on l'a pris. Hein. Et puis, petit fait amusant aussi, il y a Bray Wyatt dessus. Donc ils ont prévu les gobelets bien avant, bien sûr, le show. Mais tellement en avance qu'ils ont quand même gardé Bray Wyatt dessus. Donc voilà, donc premier achat. Ensuite, les t-shirts, bien sûr. Donc le nouveau des Uso. Et le nouveau de Roman Reigns. Enfin, de la Blue Line, principalement. Ensuite, on a le programme officiel. Au bout de deux jours, il n'y avait plus rien. Il était en rupture de stock. Donc, je vous montre brièvement quelques pages. Hein, mais il y a pas mal d'affiches en fait concernant cette édition. Et il me semble aussi qu'il y a des images des anciens. Et puis à l'arrière, la classe Hall of Fame de cette année. Là, c'est pas au Superstore que je l'ai eu. Je l'ai acheté bien avant. À Hollywood, toujours. À la boutique Funko. Il y avait une boutique Funko. Il y avait une dédicace pour Rhea Ripley. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les places pour y accéder. Et on a quand même fait un petit tour hein, pour le plaisir. Et il y avait cette pop. Enfin, ce tri-pack. Avec Hulk Hogan, Kevin Nash et Scott Hall. J'ai un peu mélangé hein, donc Kevin, Hulk Hogan, Scott Hall et Kevin Nash. Donc la NWO. J'aime tellement ce groupe que j'étais obligé de prendre cette pop. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est pas un achat, c'est un petit cadeau donc, que m'a fait Axel lors du dernier jour du Superstore. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est une dédicace de Bianca Belair à WrestleMania 37, donc numérotée, donc 18 sur 30, et puis avec la petite dédicace juste ici. Donc merci à toi. On a aussi, j'ai oublié de le présenter, mais le maillot, donc chaque année, hein, surtout pour les pay-per-view. Ils font des petits jerseys comme ça. Donc moi, je l'ai trouvé super, super beau, celui-là. Donc cette année, il est vraiment magnifique. Il passe partout. Doré et gris comme ça, il passe nickel. Et il y a aussi la Shackline de cette édition. Donc chaque année, ils en font une spéciale. Disponible, il me semble, que sur place. Donc c'est la veste. Donc WrestleMania 39. Il est très, très belle. Bon, je pense qu'ils auraient pu faire mieux aussi, hein, mais voilà, franchement, ça va. Parce que du doré sur une veste, il faut trouver de quoi faire aussi. Hein. Avec. Donc là, je l'ai pas ouvert, donc c'est vrai que c'est un petit moment d'attente. Et pour justement cette vidéo, et c'est l'occasion de l'ouvrir. Donc là, ça va être les side plates, il me semble. Avec la petite boîte.
Et voici. Waouh. C'est vraiment magnifique. Après, je pense que je ferai une vidéo enfin, plus rapprochée à la fin. Des plans plus rapprochés, je veux dire. Pour qu'on voit mieux les objets de collection. Voilà. Et puis le dernier achat de cette vidéo. Bon, je crois que à chaque pay-per-view, je vais me prendre la mini belt de chaque show que je vais faire, je pense, en live, quoi. C'est vraiment un très beau souvenir. Et c'est vrai que c'est un truc que tu peux garder à vie. Et voilà. Ça fait un souvenir et en même temps ça fait une pièce de collection. Très sympa. Coupé. Non, franchement, elle est vraiment magnifique. La boîte est vraiment, vraiment très, très belle. Essayer de l'ouvrir de façon que vous le voyez directement en même temps. Waouh. Donc voilà, le JET et la ceinture. Ceinture vraiment magnifique. Je ne suis pas trop tiré sur les élastiques parce que elles sont assez fragiles. Waouh. Bon, je vais vous montrer les côtés, hein, parce que les côtés sont aussi travaillés. Voilà, ça fait vraiment pellicule de film. Et puis le dos, avec le petit logo de WrestleMania et les petits palmiers qui représentent Los Angeles. D'ailleurs, la ceinture est vraiment belle. Et ce côté doré, ça rappelle un peu la ceinture qu'ils ont fait au store pour Snoop Dogg. Vraiment ceinture, c'est la ceinture universelle, mais tout en doré. Donc t'es vraiment très 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 belle. Donc là, dès le premier jour, on a filé directement au Superstore. Et moi, personnellement, je suis parti directement au stand des ceintures pour avoir justement la mini belt. Sachant que c'est une pièce qui part assez vite. Et vu le nombre de fans sur place pour le show, j'avais très peur de ne pas l'avoir. Et pareil pour les sideplates, hein. Je voulais absolument les avoir, surtout c'est mes premières sideplates. La première mini belt que j'ai eue, c'est celle de Cardiff, que je vous montrerai si jamais vous voulez la voir. Donc c'est vraiment de très très beaux objets de collection et je suis très content de les avoir, quoi. Après, je vais faire des plans plus rapprochés sur les objets si vous le souhaitez. Je vais mettre à la fin de la vidéo. Et si jamais vous avez des questions, en tout cas par rapport aux achats, aux prix, aux voyages qu'on a fait, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Hein. Je répondrai à tout et puis je regarderai à tous les commentaires. C'est la première vidéo que je fais sur la chaîne. Je ne sais pas si je vais continuer. Hein. Bien sûr, j'ai créé la chaîne principalement pour faire cette vidéo partage du voyage, en tout cas, donc à travers de vlogs que je vais poster juste après. Et également pour faire cette vidéo-là, unboxing des achats. Donc je galère un petit peu, comme vous pouvez le voir, je suis pas très concentré. Donc je galère un peu à ranger tout ça. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis les prochaines vidéos que je sortirai, ce sera certainement pour les vlogs. Voilà. Salut à tous.